Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Alors, bienvenue dans ce magnifique dimanche. Nous sommes le 22, si vous l'écoutez en direct évidemment. 22 mai, déjà on approche déjà de la fin du mois de mai, début du mois de juin, ce qui va marquer la fin bientôt de mon année scolaire, mais surtout l'arrivée bientôt de la sixième année. En fait, ça va être on va fêter le sixième anniversaire, donc on va commencer déjà la septième saison de la zone de jeux de société très bientôt. Des fois, j'ai de la misère à croire que j'ai fait ça pendant toutes ces années-là. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, je suis vraiment désolé, je suis pas présent avec vous, ni Stéphane. J'avais pourtant prévu quelque chose avec un invité, mais on va reporter ça à la semaine prochaine. On avait un sujet intéressant à vous parler, mais présentement, je me dirige vers la région de Sorel-Tracy afin d'aller faire un petit tour chez ma mère, qui a eu quelques petits troubles de santé. Rien de grave, ne vous en faites pas, mais je pense que ma mère, elle a besoin de ma présence à la maison, et c'est une grosse fin de semaine ici au Canada, entre tout le moins, ben, au Canada en entier, oui, parce que c'est la fête de la reine ou la fête des patriotes. Donc, lundi, c'est congé, et c'est ce qui fait en sorte que je serais quand même allé voir ma mère, mais ça fait en sorte que je vais avoir quand même peut-être une petite journée supplémentaire pour pouvoir peut-être aller faire du vélo avec ma fille, avec ma famille, si moi-même j'ai des petits problèmes de santé. C'est surtout en lien avec mes pieds, mais ça, j'aurai l'occasion de vous en parler éventuellement. Fait qu'on va faire un petit « Ceci n'est pas la zone du dimanche », un peu spécial aujourd'hui. Je vais essayer que ça dure à peu près une heure de temps, mais je vous garantis pas. Mais comme d'habitude, je vais mettre ça en première, donc ce qui fait en sorte que pour tous les gens qui seront, comme d'habitude, présents, parce que le but, c'était de créer une communauté le dimanche matin, après-midi, dépendamment où vous êtes dans le monde, ou soir, ou matin. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent de partout dans le monde. C'est de créer cette fameuse communauté, cette famille communauté-là de ludique. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui discute entre eux. Alors, je vous dis bonjour à tous ceux qui m'écoutent en direct et merci beaucoup aussi à tous ceux qui me regardent en différé. J'aime toujours ça quand je me rends compte que ma zone du dimanche attire plus ou moins à peu près 1000 visionnements par semaine. Je sais que ça dépend toujours des sujets, comme la semaine passée, je savais que ça allait attirer. Aussitôt qu'on parle de socio-financement, aussitôt qu'on fait des tops, aussitôt qu'on parle de problématiques, ça va toujours attirer du monde. Donc, beaucoup de personnes qui nous ont écoutés la semaine dernière. Aujourd'hui, j'imagine qu'il va en avoir un petit peu moins parce que le sujet, ben, en fait, aujourd'hui, je vais revenir sur Burn Cycle parce que ça a été une semaine teintée. Tinted Grail, en tout cas, teintée de Burn Cycle. Beaucoup, 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 si vous saviez comment j'ai passé du temps sur ce jeu-là et comment ce jeu-là obsède mes pensées depuis à peu près une semaine. Est-ce que je l'aime? Je suis même pas prêt encore à vous dire si je trouve ce jeu-là bon. Alors, je peux vous dire qu'il est bon. Okay? Je peux tout de suite vous dire qu'il est bon. Est-ce qu'il va rester? Il va rester dans ma ludothèque, vous le savez, parce que j'ai tout de Chiptree Games. Mais qu'est-ce que je vais faire avec? On verra. Je veux dire, est-ce qu'il va être meilleur que Too Many Bones? Je suis pas prêt à dire non, je suis pas prêt à dire oui. Je suis vraiment... C'est bizarre ce jeu-là, mais je vous en reparle. Je vais vous présenter aussi un petit jeu que j'ai reçu, que je vais déballer devant vous. Donc, on va ouvrir, la boîte ensemble dans quelques instants. Puis, après ça, ben, j'ai une capsule de 18 minutes que je vais vous présenter. C'est un déballage que j'ai reçu, OK? Et que j'ai envie de vous présenter parce que je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent. Et là, je vais vous en parler immédiatement. Alors oui, effectivement, donc faites comme Benjamin Morino qui va vous présenter aujourd'hui le déballage très exclusif de Carnival Zombies 2e édition.
qui est un jeu qu'il a eu la chance de se procurer avant tout le monde. C'est un Kickstarter. Et il m'a demandé s'il pouvait faire un déballage et le présenter sur la chaîne. J'ai dit oui. Et je veux, dans ceci n'est pas la zone du dimanche, vous accueillir. Et oui, j'imite peut-être Martin Montreuil ici avec les collaborateurs. Mais mon but, c'est pas nécessairement de faire des vidéos encore qui vont être directement sur la chaîne, mais je vais les intégrer dans un épisode. Alors, il va vous offrir ce déballage-là qui va durer 18 minutes. J'ai aussi un petit aperçu d'une petite capsule humoristique que j'ai créée, que je vais donc vous présenter dans quelques instants, mais je vais vous en présenter juste un petit aperçu. Fait que plein de choses, et en même temps, j'ai reçu un beau cadeau cette semaine. Une grosse, grosse affaire. J'ai été très surpris de le recevoir d'ailleurs. Alors, je vous en parle. Fait que sans plus tarder, on va y aller avec... je vais commencer avec la première chose que je vais vous présenter. Donc, la première chose que je vais vous présenter, c'est... Puis donnez-moi juste deux petites secondes. Là, je vais juste, comme on dit en bon français, vous pré-ouvrir quelque chose. Pour pas que vous le faire nécessairement dans la face. Alors, c'est un jeu que je me suis procuré. Hein, comme vous pouvez voir. Alors, je me suis procuré le jeu. Et là là, j'aurais peut-être dû l'ouvrir avant. Bon, OK. Alors, je vous présente ça. Ça va avoir l'air un peu mieux. OK, donc, je me suis procuré un jeu. Et là là, hein? Il y a des gens qui sont maîtres dans l'art de mettre du collant sur les boîtes. Là. Il n'y a pas personne qui va être capable d'ouvrir ça. Ça, c'est sûr et certain. Alors, voilà. Oh, OK. Alors, c'est un jeu que je suis comme content, que j'attendais pas du tout. Qui est arrivé chez un détaillant de la région de Montréal. Et là, vous voyez, ça commence à apparaître. Et je suis très heureux de me l'être procuré. Alors, vous voyez, c'est le jeu qui s'appelle, là, il est à l'envers, qui est vraiment super bien. Écoute, il n'y a pas rien qui va pouvoir y arriver. Alors, c'est le jeu Carnegie. Et je suis vraiment très content de l'avoir. Vous savez que je suis un grand amateur des jeux de type Euro. Et puis, je connaissais un petit peu l'histoire de Carnegie, ou Carnegie, je ne sais pas exactement comment nommer. C'est surtout l'artistique de Ian O'Toole. C'est un philanthrope américain qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais qui a aussi donné beaucoup de son argent. Donc, c'est la boîte... Oh, super! Super! Mais en tout cas, c'est ça. C'est la boîte de Kickstarter Deluxe. Édition 1 à 4 joueurs, il y a un automa, donc 120 minutes, 12 ans et plus. Il y a le numéro 27 qui doit avoir quelque chose avec Queen Games. Je suis content, je l'ai pris. Je me suis procuré ce jeu-là pour éventuellement vous le présenter, mais j'aime beaucoup les jeux de type Euro, j'aime beaucoup les jeux de gestion de ressources, puis il semble avoir un mécanisme assez intéressant d'avoir des travailleurs, parce que le but, c'est qu'il va falloir développer notre industrie. Puis, en développant notre industrie, on va avoir donc des petits meeples qu'on va pouvoir déplacer dans notre lieu d'administration. Puis, on a aussi une belle carte des États-Unis où on va pouvoir envoyer nos travailleurs pour aller faire des missions. On va ramasser de l'argent. Puis, c'est un jeu qui va se jouer en 20 rondes en tout. Trouve très, très, très cool. Donc, la boîte de luxe de Kickstarter. Fait que je suis... très content et je vais vous présenter ça là, dans les prochaines semaines sans faute. Fait que voilà pour ce qui est de Carnegie que je vais mettre dans ma pile de jeux que j'ai à faire. L'été va être rempli de bonheur. D'ailleurs, le 6e anniversaire s'en vient. J'ai toujours pas pensé ce que je vais faire comme spécial. Bon, l'autre affaire que je veux vous parler aujourd'hui, je veux revenir un petit peu sur Burn Cycle. Je vais vous parler un petit peu, je vais vous dire ce que je pense du jeu jusqu'à présent. Après, j'ai joué, je pense, deux véritables parties. J'en ai commencé cinq. C'est un jeu qui, vous allez voir, là, qui a un aspect... Là, c'est très long comme jeu, mais c'est pas juste très long comme jeu. Je pense qu'il y a aussi là, tout le processus qui vient d'apprentissage de ce jeu-là,
quand j'ai fait le déballage puis que je vous ai présenté ça ici, là, ça c'est le livre, il appelle ça le Rules Reference. C'est pas un jeu qui est évident. Puis il n'y a pas personne ici qui va me dire que ce jeu-là est évident à comprendre. Il ne l'est pas. Est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais jeu? Non, ça veut dire que c'est un jeu complexe. Et ça veut aussi dire que c'est un jeu qui a beaucoup de mécanismes, qui fonctionnent bien, qui sont très bien développés, qui sont quand même relativement bien expliqués, même si je trouve que le livret d'instructions, dans sa structure, c'est pas très clair. Puis, oui, il y a un index à la fin, mais je trouve que l'index manque. Il y a des éléments qui auraient dû faire autrement. Parce qu'il y a un système de couleurs. Hein. Ce que j'ai compris, c'est que cette section-là, c'est les actions. Toutes les actions sont mentionnées. Puis après ça, on a orange, c'est donc l'article principal. Après ça, tu vas avoir en rouge, qui est comme un sous-article, puis en bleu, qui est le sous-article du rouge. Fait que dans les free actions, tu as altering, tu as burn cycle, tu as trading. Après ça, tu as physical action, tech action. Puis après ça, on va arriver à action chip. Mais comprenez-vous que quand on recherche en ordre alphabétique, sans aller dans l'index, je ne suis pas habitué encore avec l'idée que faut regarder vraiment juste le orange pour que ça fonctionne. Mais tout est là, tout est bien expliqué, il y a des beaux exemples. Et c'est un jeu, je pourrais vous dire que maintenant, là, que je suis presque prêt à 90%, ben pas que je suis presque prêt, je pense que je comprends le jeu à 90%. Je suis allé faire, écoutez, j'ai vraiment étudié ce livret-là comme un fou cette semaine, en jouant mes parties, j'ai fait le tutoriel. J'ai voulu terminer le tutoriel, mais il n'était pas encore disponible sur le site de Chip Tree Games parce que le Canada, on a reçu les jeux avant tout le monde. Et Chip Tree Games s'est basé sur la réception aux États-Unis pour mettre en ligne. Là, tout est disponible. Là, si vous allez sur le site de Chip Tree Games, là, vous avez accès à peu près à tout ce qu'il y a à avoir comme document. Mais j'ai pas pu donc finir le tutoriel. Donc, j'ai essayé de le finir par moi-même. Mais ça a été une expérience remplie d'erreurs, d'essais-erreurs. Et c'est un jeu d'infiltration. Okay? Donc, il faut se le dire à la base, c'est un jeu d'infiltration. C'est un jeu d'infiltration où ils auraient pu décider de juste faire « t'as un bot, t'en as un deuxième ». Mettons, moi je joue tout seul, je joue à un bot, ou je joue avec d'autres mondes, chacun contrôle son bot, mais on a aussi le contrôle d'un module de commandement. Et le module de commandement, il est contrôlé par tout le monde. Donc, quand c'est mon tour, je peux jouer des tours pour le module de commandement. Puis quand c'est le tour de mon ami, ça va être la même chose. Ce qui rajoute une certaine complexité, mais surtout des éléments à regarder. Comme moi, j'ai mes habiletés spéciales. J'ai mon habileté primaire. J'ai après ça les habiletés que je peux débloquer. Mon module de commande qui, d'ailleurs, tous les bots du jeu peuvent être... On tourne la carte de côté. Puis on va avoir le module de commandement. Le module de commandement a aussi une habileté spéciale. Le concept du burn cycle, dans le fond, qui est un concept en passant que, étant évidemment anglophone, là, je ne peux pas vous dire que je comprenais à 100% là, le concept même, mais le concept du burn cycle, c'est que justement, le module de commandement, c'est lui qui transporte la majorité de toute la mémoire, on va dire ça, là, de toute la mémoire pour justement pouvoir... accomplir notre mission, parce qu'on est des robots qui essaient d'infiltrer 4 corporations. Moi, j'ai l'extension, donc c'est 4 corporations. Sinon, dans le jeu de base, il y en a 3. Et le burn cycle, dans le fond, c'est des actions. Donc, les chips de poker qu'on va mettre sur le plateau du burn cycle, là, ce sont des chips de poker qui vont représenter le nombre d'actions qu'on va pouvoir prendre. OK, et donc c'est celui-là ici, là, je vais vous le présenter. Je n'ai pas sorti mon matériel, là, mais ça ici, là, c'est donc on va mettre des chips de poker et on peut donc avoir le nombre d'actions qu'on va avoir va dépendre des chips de poker qui sont là. Et la couleur des chips va nous permettre de faire des actions qui vont pouvoir être augmentées. Et on peut avoir jusqu'à 5 actions dans un tour, mais il va falloir débloquer. Donc il y a beaucoup d'interactions. C'est un jeu qui est très, très coopératif. C'est un jeu où la planification est de mise. Ça me fait beaucoup penser à un jeu comme Rainbow Six à l'époque. Là, je me souviens quand je jouais sur mon ordinateur, il fallait planifier qui rentrait où, qu'est-ce qu'on allait faire. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir.
faut regarder les pièces, faut regarder c'est quoi nos missions. Il y a beaucoup, beaucoup de missions dans le jeu. Il y a des missions qui sont simples, il y a des missions qui sont plus compliquées. Donc, étant une mission d'infiltration, on a vraiment le concept de « on entre », le but c'est de ne pas se faire voir, mais c'est inévitable de se faire voir dans ce jeu-là. Et on a une petite chip de vigilance, donc c'est comme ça qu'on va le traduire en français. Donc, une petite chip de vigilance, un jeton de vigilance qu'on met sur notre chip qui représente notre bot lorsqu'on est détecté. Et ensuite de ça, bien, il y a comme beaucoup de mécaniques qui font en sorte que le jeu, une fois compris, va être simple, mais il faut vraiment là, passer au travers là, ce livret-là. Moi, je vous conseille fortement, si vous avez Burn Cycle, là, ils disent « faites le Learn to Play », puis après ça, ce livre-là, utilisez-le si vous en avez besoin. Non, 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 lisez-le, prenez le temps de le lire. Les informations sur les jetons d'awareness, de vigilance. Ensuite de ça, on a plein d'autres informations sur le Burn Cycle. On a des informations sur les dés qu'on a lancés, les équipements, les différentes cartes. Surtout des informations sur un des aspects du jeu que j'étais tellement pas sûr au début quand je le regardais, mais que finalement j'adore, là, c'est ce fameux network, donc ce fameux réseau. Parce que dans notre tour, on va bouger notre personnage, on va faire ses actions, et ensuite de ça, on va se transporter dans ce réseau-là. Et le réseau, il va servir à quoi majoritairement, le réseau? Le réseau, il va servir à, justement, accomplir des cartes de réseau qui vont nous donner des habiletés spéciales. Et les cartes de réseau sont faites pour qu'on puisse arriver sur un lieu spécifique, là, d'une couleur spécifique, dans un des ronds autour spécifiques pour pouvoir les débloquer. Et c'est quand même... plus j'ai joué, là, plus j'ai compris à apprécier beaucoup ces cartes-là et aussi les cartes de terminaux qui sont d'autres choses. Bref, je ne sais pas si vous le sentez dans ma voix, là, mais ce jeu-là me hante beaucoup mon esprit tellement que je suis en train de préparer une feuille parce qu'il n'existe pas encore, mais une feuille des règles à ne pas oublier. Parce qu'une des règles que j'ai eu le plus de difficulté à vraiment intégrer, là, c'est celle-ci. Là. C'est le mouvement des gardes. Les gardes qui vont faire une poursuite. S'ils ne peuvent pas faire de poursuite, qui vont enquêter les fameux jetons de vigilance, d'awareness là, qui vont être sur le plateau. Et s'il n'y a rien, ils vont faire de la patrouille. Puis la patrouille va dépendre de ce qui est inscrit sur leur chip. Il y a beaucoup moins de mots-clés que dans Too Many Bones et dans Cloud Spire. Mais je pense que c'est un des jeux où il y a le plus de règles qui s'interrelient les uns avec les autres. Le capitaine ne fonctionne pas exactement comme les gardes. Chacune des pièces vont fonctionner différemment, surtout pour ce qui est de la vérification. Là, lorsqu'on entre dans une pièce, on va lancer un dé. De détection là, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. Il y a certaines pièces qui ont deux dés à lancer, il faut vraiment bien regarder ça. Il y a le concept justement de pouvoir avoir des chips en réserve, des chips de tech, de physique, de toutes sortes de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce jeu-là et pour l'instant, sans oublier l'ouverture des portes que je trouve géniale, la façon qu'on ouvre les portes, c'est un jeu qui est difficile parce qu'on... En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas habitué à jouer à ce type de jeu-là. Mais les règles sont assez bien, je pense, ficelées pour que quand vous allez comprendre comment fonctionne le jeu, je pense que Burn Cycle va être un bon jeu. Okay? Va être un jeu qui va être fluide, qui va bien fonctionner. Par contre, c'est drôle parce que j'avais justement quelqu'un sur le Discord cette semaine... qui m'a écrit qu'on dirait que je travaille fort pour aimer Burn Cycle. Je travaille fort pour m'assurer de tout comprendre, pour après ça voir si je vais aimer ou j'aimerais pas Burn Cycle. Là, présentement, au moment où je vous parle, je peux vous dire que Burn Cycle, il est... Je pense qu'il est meilleur que Cloud Spire. Je suis pas prêt à dire qu'il va dépasser Too Many Bones, par contre... Parce qu'il y a un aspect là, que je ne suis pas sûr encore, c'est que j'ai l'impression que Burn Cycle, il n'y a pas de progression de personnage
Même si, en passant, ils ont sorti, en passant, je vais juste vous le présenter, ils ont sorti, si vous voyez là, d'ailleurs, avec ma très mauvaise caméra ici, hein, bonjour tout le monde, c'est pas ça du tout que je veux vous présenter, en passant, c'est celui-là. Donc, ils ont sorti un mode pour, justement, ils appellent ça le Rescue Mode, pour enchaîner des parties. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été dans le livret d'instructions, j'imagine qu'ils l'ont réfléchi par après, mais ils ont vraiment là donc tout expliqué. Donc je pense que c'est une série de trois missions qu'on peut donc enchaîner et qui va avoir une certaine progression du personnage. Mais présentement, ma grosse crainte, c'est ça. C'est est-ce que une fois que je vais avoir passé à travers les missions, il y en a quand même beaucoup d'émissions, mais quand je vais avoir passé au travers des missions, est-ce que ça va revenir. L'autre élément aussi que j'aurais aimé ça, qu'il y ait beaucoup plus d'optimisation, de création d'étages. Là, on a quatre entreprises. Donc, dans le jeu de base, il y a trois entreprises. Et chaque fois que vous faites une mission avec l'entreprise A, il y a toujours le même premier étage, même deuxième étage, même troisième étage. Ce ne sera pas toujours les mêmes gardes parce que c'est choisi aléatoirement. Mais encore là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de types de gardes. C'est sûr que ils sont en train de se préparer pour, justement, je pense, pour faire beaucoup d'extensions. Ils vont racheter des gardes, ils vont racheter des bottes, ils vont probablement nous racheter des éléments supplémentaires pour créer peut-être de nouveaux étages. Mais là, pour l'instant, je trouve que les étages sont tous identiques. Mais le jeu, il est beau. Je veux dire, le jeu, il paraît super bien sur le plateau. Tout fonctionne bien. Il prend beaucoup de place, mais c'est quand même très bien. Mais j'ai peur pour sa longévité. C'est sûr que ça m'a pris tellement de temps à apprendre le jeu que là, je vous dirais que pour ce qui est de la longévité, je suis un petit peu. Je suis un petit peu. Tu sais, je veux dire, je pense que je dois avoir passé à peu près 15 heures et je pense ne pas, ne pas. Je pense que je n'ai pas encore joué une partie vraiment officielle. Et cette semaine, on a fait une partie sur la chaîne où on a joué, on a fait un live. Et pourquoi j'ai décidé de filmer cette partie-là? Parce que j'ai quand même quelques personnes, si vous allez faire un tour dans les commentaires, certaines personnes qui ont critiqué le fait de peut-être pas avoir bien présenté le jeu et que je l'ai peut-être pas mis à son meilleur. Je suis d'accord avec ça. Parce que j'ai décidé de jouer avec Stéphane. Stéphane n'avait jamais vu le jeu quand il s'est installé. Il s'est assis. Je venais de finir de filmer Persévérance, d'ailleurs. Il s'est assis. Le jeu, il était déjà installé. On a commencé à filmer. Il n'avait jamais touché au jeu. Fait qu'il a fallu que je lui explique. Et oui, j'ai fait des oublis très importantes, comme par exemple les cartes d'impératives, les imperative cards qu'il faut donner dès le début, qui peuvent quand même modifier beaucoup la façon de fonctionner. J'ai très mal commencé stratégiquement ma partie en rentrant dans la salle de sécurité, mais en plus, j'avais pas bien placé l'étage. Fait que oui, c'est vrai que ça a été un peu brouillon dans les règles, mais je pense qu'on a bien présenté le jeu. Et en même temps, c'est un jeu de stratégie qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, je pense, à bien, bien cerner. Et on n'a pas été super bon au niveau stratégique. Mais on n'avait pas fini en passant. Je veux dire, on a fait un étage en 2 heures. Ça a été beaucoup trop long, je pense, pour ce que c'est. Mais ça reste un jeu très, très long. Bref, vous connaissez mon amour pour Chipteory Games, je pense qu'ils ont fait un produit de qualité. J'étais très sceptique du jeu. Je peux vous dire que je ne suis pas encore totalement vendu complètement, complètement au jeu. Je le trouve peut-être un petit peu trop compliqué pour ce qu'il est. J'ai peur pour sa longévité, mais là, vous voyez, j'ai la boîte ici, là. D'ailleurs, je trouve la couverture magnifique, là, quand on sait que. D'ailleurs, je regrette beaucoup de ne pas avoir pris les figurines, mais ils vont être disponibles éventuellement. Mais qui ne sont vraiment pas nécessaires en passant. Mais j'ai hâte d'y rejouer. J'ai hâte de m'y replonger. J'ai hâte d'avoir ma feuille avec les éléments que j'oublie souvent. D'ailleurs, si vous allez sur mon Discord, puis vous avez joué à Burn Cycle, dans la section Burn Cycle de mon Discord, j'ai demandé de me dire c'est quoi les règles que vous oubliez le plus souvent pour que je finisse de créer ma petite feuille. Je vais faire une mission après ça. Une fois que là, j'ai tout bien intégré, je vais faire une mission de pratique officielle. Puis après ça, oui, je vais vous faire une présentation normale de Burn Cycle. Je vais choisir ma mission. Je vais essayer de prendre une mission qui n'est pas trop compliquée. Alors, on va y aller probablement pour une mission qui va durer peut-être un étage, peut-être deux maximum. J'irai pas dans trois parce que c'est beaucoup trop long.
Mais ma présentation officielle, ça va être une vraie belle présentation, puis je vais essayer de faire le moins d'erreurs de règles possible, et ça va être beaucoup plus fluide. Mais mes lives, c'est ça. Mes lives, c'est moi qui joue et qui m'amuse à un jeu sans avoir à réfléchir au montage, à réfléchir à si je fais des erreurs, qui a juste du fun à jouer au jeu. C'est comme ça que j'ai réfléchi à ça. D'ailleurs, j'ai fini Solomon Kane hier. Vous irez voir la vidéo donc de ma partie. Il va falloir que je réfléchisse à ma prochaine campagne du samedi. Fait que si vous avez des idées, allez-y. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est Stéphane qui va la faire, là, mais des fois, j'ai des idées de présenter des vieux jeux sous forme de campagne du samedi. Mais voilà. Fait que là, je m'arrête de parler. Sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à mon ami ici qui va vous présenter justement le déballage. Donc, Benjamin. Alors, Benjamin Morino qui va vous présenter le déballage de Carnival Zombies 2e édition. Et je vous reviens tout de suite après avec une belle petite surprise. Bonjour, je m'appelle Benjamin. Je vais vous présenter aujourd'hui un unboxing de Carnival Zombies de l'éditeur Albé Pavot. Il s'agit d'un Kickstarter qui a eu lieu en avril 2019 avec une livraison pour novembre 2019. Le jeu est actuellement en transit vers les différents hubs de distribution, donc très peu de personnes l'ont reçu. Ça va être un des premiers unboxing disponibles. La note sur BGG est très faible, 4,7. Elle est principalement due à une communication qui a été très médiocre de la part de l'éditeur et à la frustration des participants Kickstarter de ne pas recevoir leur jeu à la date anticipée de novembre 2019. Plus de 2 ans de retard, une communication mauvaise, ça explique cette note très faible. Le thème du jeu. Donc, c'est un jeu de zombies. Facile à comprendre en voyant le titre. Donc, c'est un jeu coopératif de 1 à 6 joueurs. Donc on va jouer en fonction du nombre de joueurs, soit si on joue en solo 6 personnages, ou soit on va répartir les personnages entre les différents joueurs. Le but de la partie va être de s'échapper de la ville de Venise. Dans ce jeu, la ville a été construite sur le cadavre d'un Léviathan qui est en train de s'éveiller. En même temps qu'il s'éveille, une partie de la mort de la ville se réveille également, donc la ville est complètement envahie de zombies. Et donc il va falloir, en alternant des périodes de jour et de nuit, trouver un moyen de s'enfuir. Pendant les périodes de jour, il s'agira de se déplacer, de trouver des équipements, de fortifier des lieux pour la nuit. Et en période de nuit, ce sera un tower defense où des zombies essaieront de rentrer dans le lieu fortifié où on s'est réfugié. Et normalement, il devrait apparaître des boss différents à chaque nuit, si j'ai bien compris. Et il faudra survivre. Donc le jeu est, semble-t-il, assez difficile. Le système de jeu est assez particulier avec des cubes qu'on doit lancer sur un gabarit. Et les cubes, en fonction du nombre de cubes qui tombent hors du gabarit, on a plus ou moins de succès ou plus ou moins d'échecs. Donc, je vais vous ouvrir la boîte. Donc à l'intérieur, un grand sachet pour permettre de stocker les cubes qu'on va lâcher sur le gabarit. Le livre de règles, assez aéré, a priori. Donc on voit que c'est un jeu de figurines, des illustrations, moi j'aime bien. Donc, un détail, la liste des composants, le board, bon, ça a l'air d'être assez bon, ça a l'air d'être... des QR codes pour du contenu supplémentaire, backstory, etc. Les illustrations qui sont très sympas. Voilà. Bon, à lire, visiblement il n'y a pas d'index. Ça c'est petit loupé. Okay. Donc un second livret, il semble que ce soit
il y avait des stretch goals pour ajouter du contenu, notamment en déplaçant l'action sur la ville de Milan. Donc, si je me rappelle bien, le board a un côté pour la ville de Venise et un autre côté pour la ville de Milan. Donc, c'est aéré, c'est assez clair à lire. Donc, une aide de jeu avec ici les boss pour Venise, ici les boss pour la ville de Milan. Les personnages du jeu de base, donc on a 6 personnages à gérer dans le jeu de base. Il me semble qu'il y a 3 autres personnages en plus qui avaient été débloqués pendant la campagne. Donc ici, les différents lieux qu'on va retrouver sur le board. Le cimetière Saint-Michel, l'arsenal, les jardins, synagogue, etc. Bon, ça ne me parle pas trop, j'ai pas encore commencé à lire les règles. Ok. Des aides de jeu, donc ici, donc les 3 nouveaux personnages qui ont été débloqués avec les stretch goals et les nouveaux boss. Ok. Donc des scénarios. Avec des setups. Alors, il me semble que celui-ci, Plague in Venice, c'est le scénario d'introduction pour apprendre à jouer. Il y a quand même pas mal de scénarios, visiblement. Les illustrations sont sympas, ça donne envie de jouer. Toujours des scénarios et des... Okay. Donc, le board. J'ai des petits hors-champs. Okay. J'essaie de vous faire voir. Donc le Léviathan ici, la piste de stress, si je me rappelle bien, pour les différents personnages, l'alternance jour-nuit, le lieu où on passe la partie nuit ici, la partie jour ici, donc qui représente la ville de Venise avec les différents lieux où on peut se déplacer, les différents lieux où on doit aller pour essayer de s'échapper. Il me semble qu'il y a plusieurs possibilités de s'échapper. Soit en passant par un pont, soit en prenant un bateau, ou en passant par un autre pont. Et au centre, la partie nuit, où on est retranché, et où on va voir les différentes vagues de zombies qui vont approcher, et sur lesquelles il va falloir survivre. Donc ça, c'est le côté Venise. Le côté Milan. Donc la carte est différente. Ça a l'air assez similaire, les monstres sont différents. Les situations sont très chouettes. Ça change des infinis brillants sur certaines zones du plateau. Donc, là, vous avez pu voir un trou et quelques figurines, très chouette. Donc on va faire le test. Bon, ça se décroche très bien, c'est épais, ça a une bonne qualité. Donc, on reconnaît, on voit ici, ça a l'air d'être les personnages. Ça ressemble à ce que j'ai vu
On fait des tas de cubes et on doit laisser tomber des cubes dessus, ce qui, si ça sort ou, je sais plus si ce qui est positif, si ça sort ou pas. Il me semble qu'il faut que les cubes ne sortent pas, ne tombent pas hors du gabarit. À voir. Les dessins sont très chouettes. Hein. Un genre de cimetière. Okay. Donc il y a possibilité de jouer avec des standees. Dessin, le même dessin des deux côtés, on a David, quelque chose qui ressemble à David Jones. Donc ça c'est les boss, il me semble, et ça c'est les héros qu'on joue. Ça c'est une espèce de machine infernale avec des canons un peu partout, j'avais vu ça. Ça c'est le serpent qu'il y a dans la version Milan. La ville n'est pas construite sur un Léviathan, mais une histoire avec un serpent. Je ne sais pas les détails, je ne m'en rappelle plus. Le design, ouais, ça sort un peu de l'ordinaire au niveau du design, c'est sympa. Donc ça doit être les monstres, alors ça doit être les nouveaux personnages pour la version Milan et les nouveaux monstres, les nouveaux boss. Des figurines. Des jolies figurines. Donc, on va commencer par la plus belle, la plus grosse. Donc un joli serpent de... Ouais, très très chouette. Très sympa. Alors moi je ne suis pas un peintre, mais pour Martin, hein, qui est un nouveau peintre, tu vas peindre. Donc on va essayer de regarder d'abord les héros. Donc les héros sont une couleur, ils ont pas utilisé la même couleur entre eux. Difficile à attraper. Donc là on a celle-ci, c'est un monstre, un boss, je suppose, et ça c'est un héros. Donc les héros avec le folklore carnaval de Venise. Je sais pas si ça rend bien à l'écran ou pas. Beaucoup de détails. Je sais pas si c'est du plastique habituel. Oh. Très joli. Les différents personnages. Comment ça va? Je passe assez rapidement, je vais pas. Ça c'est les héros pour supplémentaires qu'on peut jouer avec un couteau de boucher, sympathique. Sympa. Les boss maintenant, elles sont vraiment belles. Désolé, j'ai pas le matériel pour vous faire voir un joli aperçu des figurines, mais elles sont très sympas. Très fines, je trouve. Ça valait le coup d'attendre. En tout cas, rien que pour les figurines, c'est sympa. Grosse bête. Voilà. Un genre de faucheuse. Il n'y a pas deux figurines identiques, hein. C'est quand même sympa. Un genre de David Jones avec... des tentacules, ça va plaire aux amateurs de Cthulhu. Oh, oh, il y en a un qui a été décapité. Elles sont très très fines, hein. Ça se comprend aussi. Bon, un point de colle, ça devrait suffire. Ah, c'est sympa ça avec la,
la gondole en train de couler, une espèce de bête dessus. Je vais pas toutes les faire, mais je regarde celles qui me sortent. Ouais, c'est très très sympa. Donc, on va voir des petits sacs pour trier, pour ranger. Les fiches des différents héros. Elles sont très jolies. Les illustrations sont très sympas. Un peu BD. Ça sort de l'ordinaire. Déjà des zombies à Venise, c'est pas très ordinaire. Des aides de jeu, toujours utile, avec les différents symboles. J'espère qu'elles seront bien faites. Donc, des cubes en bois, c'est original. Plein de cubes en bois pour les standees. Ça, il me semble que c'est les cartes pour les boss, donc le styliste, Smiler. Désolé pour la lumière. Le Doge, le ténor, le chanteur, le stress, le styrus, Joker. Ah, c'est sympa. C'est vraiment l'amiral, chef de guerre, le martyr. Non, c'est pas. Le design sort de l'ordinaire. Il y a un insert, toujours ça de prix. Donc, si j'ai bien compris, il y a des decks par personnage. Oui, c'est bien ça. Donc, ça, c'est parti pour les personnages. Ça doit être des événements, il me semble. Les illustrations sont pas exceptionnelles, c'est assez simple. Bon, si ça fait le boulot, c'est suffisant. Ok. Donc les cartes. Et on reconnaît les différents personnages au dos. Donc c'est le médecin de la peste. Pentalone. Rigera. Ok, on va voir le contenu maintenant. Je ne sais pas si c'est le même entre chacun des personnages ou pas. Les illustrations sont un peu plus sympas, mais pas non plus. Polem. Ça a l'air d'être changeant, enfin, de pas être les mêmes sur les personnages. C'est sympa, on va voir. Avoir l'utilisation. Il n'y a pas trop d'espace autour, il n'y a pas trop de. Je ne sais pas ce que ça va donner une fois slivé. Est-ce qu'il y a besoin de les sliver, c'est pas sûr. En tout cas, une fois slivé, ça sera difficile de les faire rentrer. J'ai l'impression. Après, c'est. Vu que celui-là revient ici, non, ça ne rentrera pas. Bon, c'est peut-être pas nécessaire non plus. Donc voilà, donc j'ai eu. En plus, j'avais pris le contenu additionnel, donc j'avais reçu un sac supplémentaire, une petite broderie. Oui, il est joli. Et des composants avec. Un petit peu d'œil. Pour. Je ne sais pas si ça sert à grand chose, mais bon. Avec des dessins, des choses pour un peu mieux savoir de quoi il s'agit, mais j'ai aucune idée de quoi il s'agit. On avait fait un all-in. Ok. Alors voilà pour Carnival Zombie. J'espère que ça vous a intéressé. Merci du temps que vous avez pris.
pris à regarder cette vidéo. Et puis merci à Martin si tu publies cette vidéo sur la zone. Voilà. Merci, bonne journée. Bon, alors merci beaucoup Benjamin, c'est vraiment gentil de ta part de m'avoir fait cette vidéo-là. Et je vous invite, si vous avez des vidéos que vous voulez faire vous-même dans la zone, vous voulez faire un déballage, vous voulez faire une critique, alors gênez-vous pas, vous avez juste à créer la vidéo, puis à m'envoyer un lien pour que je puisse la télécharger. Je vais la regarder, puis s'il n'y a pas de problème, je vais la mettre dans une Ceci n'est pas la zone du dimanche. Alors, vous m'envoyez ça sur zone, jeu de société, pas d'accent, pas d'espace non plus, acommercial@gmail.com. Voilà. Alors, l'épisode approche à sa fin, mais quand même, je veux prendre le temps de vous présenter quand même ma petite surprise. Alors, j'ai eu la chance cette semaine, suite à la recommandation de plusieurs personnes sur Discord et aussi sur mon Facebook et aussi sur le Facebook de l'autre côté du plateau, qu'on vient d'ailleurs de terminer notre 50e épisode. Je vous invite à aller faire un petit tour pour écouter le 50e épisode de notre podcast que je fais avec Martin Montreuil. On a deux invités très spéciales dans celui-ci. Alors, ils m'ont dit, fais une demande pour recevoir Uprising, Curse of the Last Emperor. Alors, j'ai fait une demande. J'ai envoyé un message à la compagnie, dont la compagnie m'échappe, là. C'est même pas écrit sur la boîte, hein. Vous venez de comprendre que j'avais la boîte, hein. On vient de briser l'immersion aussi. Mais oui, j'ai écrit à la compagnie au début, parce que c'est leur Kickstarter de leur deuxième. Ils m'ont dit, on t'offre de faire une partie avec nous sur Tabletop Simulator ou Board Game Arena. Fait que là, j'ai fait comme, non. Moi, je fais pas ça sur ma chaîne. Alors, je leur ai dit, j'aimerais savoir le jeu physique. Ils ont refusé au départ, puis ils ont fini par accepter, puis ils m'ont envoyé donc Uprising, Curse of the Emperor, que je vais probablement faire un déballage à l'ancienne, là, soit un déballage discussion ou bien une zone de société présente. Ils m'ont aussi envoyé leur extension, donc Uprising, the Arch Nemesis Expansion. Alors, vous savez que ce que je trouve très cool, c'est qu'on voit pas en arrière de la boîte le jeu, mais c'est pas des figurines. Mais savez-vous c'est quoi la surprise que j'ai eue? Mais la surprise que j'ai eue, c'est que ils m'en ont envoyé une deuxième copie. Fait que ça, c'est une surprise. Ça, je dois vous avouer que dans ma vie, j'ai pas beaucoup de surprises. Mais celle-là, ça n'en est pas pire une surprise. Donc, ils m'ont envoyé une deuxième copie. Fait que je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Au début, je me suis dit, quoi, ils m'ont envoyé en plus l'extension. Mais non, c'est exactement la même chose que la boîte de base. Fait que j'ai pas reçu, par exemple, deux fois l'extension, mais j'ai la boîte de base. Fait que savez-vous quoi? On va faire un concours pour gagner Uprising, Curse of the Last Emperor. C'est une boîte totalement neuve. Puis ce que je trouve le fun, c'est que c'est pas disponible en magasin. C'est sûr que si vous avez pris le Kickstarter puis que vous avez pris le reprint, ben là, participez peut-être pas au concours, en tout cas, vous verrez. Mais je vous reviens avec les modalités. Donc, j'en ai parlé avec Stéphane, puis justement pour commémorer la fin de notre 5e saison. On a plusieurs concours qui s'en viennent, dont probablement un autre élagage de mon backstore, là. Mais on va faire un concours de ça. Puis là, pour l'instant, je ne sais pas si je l'ouvre seulement à mes amis du Canada ou si je l'ouvre à tout le monde. C'est une grosse boîte. Fait que je dois vous avouer que ça coûterait quand même très, très, très cher envoyer ça, je pense, de l'autre côté de l'Atlantique. Fait que je jongle pour l'offrir seulement donc aux résidents du Canada, mais en tout cas, je vous en parlerai. Fait que je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup la compagnie qui m'a offert donc ces deux copies-là, avec en plus l'extension pour pouvoir vous le présenter. Ils m'ont fait une demande de faire une présentation du jeu lorsque le Pledge Manager va ouvrir. Fait que ça risque d'être vers là, mais il n'y a rien qui vous en empêche, par contre, de vous faire un déballage avant le temps. Fait que ça a été une magnifique surprise. Autre surprise aussi, c'est que j'ai reçu finalement la deuxième vague de Tainted Grail. J'ai été relativement déçu parce que je m'attendais, en passant, vous allez comprendre en regardant ça, mais je m'attendais à recevoir tout. Je pensais que j'avais, donc je savais que j'avais pas tout pledgé, mais je pensais que la deuxième vague, ça comprenait
les deux campagnes gratuites qu'ils nous ont données, plus les autres affaires. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais juste la boîte des deux campagnes supplémentaires. Fait que j'ai été un petit peu déçu de ça, mais il reste que... j'ai préparé un petit quelque chose, une petite capsule de 5 minutes. C'est humoristique, prenez ça avec humour, s'il vous plaît, mais je vais vous en faire juste une petite présentation d'une vingtaine de secondes et la capsule sera en ligne probablement mardi prochain. Alors, vous pourrez aller faire un petit tour mardi prochain pour aller voir la capsule. Fait que je vous présente un petit aperçu de la capsule parce que vous savez que ça a été une belle saga, la saga Tented Grill pour moi. C'était une belle saga pour la chaîne, c'est drôle à dire. Fait que je pouvais pas finir ça sans terminer en beauté. Fait que je vous présente la petite capsule, puis je vous reviens. La Terre, la dernière frontière. Ceci est l'histoire du jeu Tented Grill, la deuxième vague qui a pris presque 5 ans pour se rendre entre les mains des backers. Ceci est son histoire excessivement tragique. Voilà, fait que je vous invite à regarder ma petite capsule pour peut-être savoir ce qui va arriver avec cette boîte-là que j'ai là, mais je voulais quand même en profiter pour l'ouvrir avec vous. Donc, on va faire un déballage très rapide, je ne veux pas nécessairement prendre beaucoup de temps là-dessus. Donc, Tented Grill, De Nouveaux Horizons, L'Âge des Légendes et Le Dernier Chevalier. Donc, ce sont deux campagnes. Alors, c'est sûr, là, j'ai beaucoup chialé, puis je continue à chialer beaucoup. Par contre, je suis toujours très très prêt et j'ai surtout toujours envie de l'essayer avec la nouvelle vision là, que je vous ai déjà parlé, qu'on enlève cette fameuse barre hantée. Mais ça a une valeur d'à peu près 140$. Puis j'ai pas payé pour ça. C'est un stretch goal qu'on a eu après avec la campagne originale. Fait que tu sais, c'est quand même du contenu très très cool et très intéressant. Fait que là, vous avez Tented Grill, Le Dernier Chevalier. Mais ce qui est quand même un peu paradoxal, il faut quand même que je finisse en chialant, c'est que je l'ai reçu hier. Je l'ai reçu donc vendredi, donc hier au moment où j'enregistre ceci. Et le jeu est en magasin. Dans tous les magasins du Québec, ils ont tous reçu les copies francophones. C'est correct. Ben, je l'ai reçu, mais tu sais, c'est quand même drôle. Alors, on a des nouveaux personnages. Avec les fameuses feuilles qui présentent ces personnages-là. Moi, je sais qu'il m'en manquait un personnage. Il va falloir que j'écrive à la compagnie éventuellement. Alors, on a, j'imagine, c'est ça, 8 nouveaux personnages. Et ce que j'ai compris, c'est que ça se passait après Tented Grill. Puis, c'est recommandé, je pense, d'avoir fini la campagne de Tented Grill pour faire celle-là. Yeah! OK, c'est bon. C'est bon. Puis là, bien, évidemment, hier, juste pour vous dire à quel point, parce que faut quand même que je vous présente ça, parce que si vous allez faire un petit tour sur Internet, vous voyez que chez mon commanditaire, le Valet de cœur, ben c'est disponible. Hein? C'est disponible. Voyez, le Tented Grill, la mort rouge, vous voyez, ça, c'est un autre... Ça a l'air que c'est une autre campagne, mais difficile. Bon, les fameux Metal Coin, ils ont aussi reçu Nemesis Lockdown, en passant. Mais ils ont Tented Grill Monsters of Avalon. Puis là, je me posais la question, j'étais comme, mais je ne l'ai pas ça. Il me semblait que je pensais que dans mon Monster of Avalon, je pensais que j'avais aussi les figurines pour celui-là. Mais ça a l'air que non, parce que c'est écrit que c'est les figurines qui sont utilisées dans l'extension. Fait que là, imaginez-vous, même si je ne sais pas à quel point je vais jouer à ce jeu-là, j'ai quand même été tenté de me procurer ces fameuses figurines-là à 110$, mais je me suis arrêté. Alors, livret d'exploration, encore une fois, un très gros livret.
ça m'impressionne quand même. Okay? J'ai beaucoup chialé, mais ça m'impressionne énormément. Donc, ça, c'est pour l'âge des légendes. Et ça, c'est le dernier chevalier. Donc, encore une fois, là, de magnifiques, des gros, gros, gros livres d'histoire. Et ben voilà, puis après ça, ben on a les fameuses figurines du jeu. Fait qu'il y a. Ah ça, je me souviens que j'avais vu ça. Donc, le fameux Donkey. Alors, ça, j'ai vu que c'était un stretch goal qu'il avait eu. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, effectivement. Donc, 8 nouveaux personnages. Et comme toujours, la qualité de ces figurines-là sont assez exceptionnelles. Il n'y a pas à dire, Awaken Realm savent comment faire des figurines. Déjà, ce personnage-là m'intéresse juste parce que semble être accompagné. Il me semble que ça va être plus sûr, ça va être plus facile si je suis accompagné d'un loup. Mais vraiment magnifique. Vraiment très, très belle figurine. Puis après ça, ben, regardez-moi ça, la panoplie quantité de cartes. Puis là, ben, comme je vous dis, mon but, c'est pas nécessairement de tout vous présenter, mais. Quatre références de l'âge des légendes, unité et commandement. Donc, j'imagine qu'il y a des affaires différentes là-dessus. Donc, ça doit être pour l'âge des légendes. Ensuite, on a ici le dernier chevalier. Donc, ça, c'est l'ensemble des cartes. Donc, comprenez-vous, un pour d'un bord, l'autre pour l'autre côté. Puis après ça, bon, on a les cartes secrets qui sont ici. Après ça, on a, comme d'habitude, ça doit être les cartes. OK, on a les cartes de rencontre. Hey, ça fait longtemps que j'ai joué, il va falloir que je m'y remette. On a aussi les cartes événements spéciales qui sont là. Ensuite, on a d'autres cartes rencontres encore ici. J'imagine qu'on a les cartes de personnages qui doivent être toutes mélangées là-dedans. Là. D'autres cartes spéciales ici. Et finalement. Ça ici, c'est encore des cartes spéciales. Et ça, ben, je ne sais pas, carte de référence de l'âne. Bon, ça, c'est les cartes de l'âne qui vont aller juste là. Fait que très, 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 très impressionnant. Très impressionnant. Comme je vous dis, je peux bien avoir chialé beaucoup, beaucoup sur le jeu, mais il reste quand même qu'il semble nous avoir fourni encore une fois de la belle qualité. Et je vous le dis, là, c'est un jeu qui, chez mon commanditaire, là, si je vais faire un petit tour, là, chez mon commanditaire, je veux juste être sûr de vous présenter la bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Écho du passé, c'est pas celui-là, donc c'est ça ici. Donc, chez mon commanditaire, si vous regardez, c'est quand même un jeu qui est à 140 $ et je n'ai pas payé de frais supplémentaires pour cette boîte-là. Fait que. Vous irez voir mardi ma vidéo humoristique parce que c'est quand même au final spécial. Je vous dirais pas extra. La manière que cette campagne-là a été, c'est probablement pas de la faute de Waken Realm, évidemment. Mais il reste quand même qu'il y a des affaires tellement bizarres qui se sont passées, toutes les péripéties, le ralentissement, ça a pris tellement de temps. Écoutez, c'est 2019. Que j'ai backé le jeu. Non, c'est 2018 que j'ai backé le jeu. Donc 19, 20, 21, 22. Donc c'est 4 ans. Ça a pris 4 ans avant de recevoir le jeu au complet. Mais je l'ai. C'est ça qui est important. Fait que là, maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Je pense que je vais y redonner une autre chance. Puis peut-être même sur la chaîne, je vais y redonner une autre chance. Mais il y a la 7e Citadelle qui s'en vient aussi. Puis ça, c'est une autre affaire. La 7e Citadelle qui était supposée d'arriver. L'année passée, puis qui n'est même pas fini de designer. Ça c'est une autre chose, ça. Mais bref, voilà, j'arrête ça là aujourd'hui pour ceci n'est pas la zone du dimanche. Je sais, j'ai aucune idée si j'ai dépassé mon temps. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram et mon Discord, où on a beaucoup de plaisir sur mon Discord. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire, le Valet de cœur, au www.levalet.com. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer présentement tout ce que vous avez pas, tout ce qu'il y a de Tented Grail. Est-ce que je vous le recommande? Sachez dans quoi vous vous embarquez, mais en tout cas, c'est disponible chez mon commanditaire. Allez faire un petit tour également sur ma campagne Patreon si vous voulez me donner un petit coup de pouce dans mon projet de la zone de jeux de société. Et d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec vos jeux de société et nous, on va se revoir très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.